Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va découvrir deux supports de téléphone pour voiture de chez Acefast, le modèle D11 et le modèle D12. Commençons par le modèle D11. Dans la boîte, on retrouve un manuel en plusieurs langues, dont le français, la fixation pour la ventilation, le support de téléphone. Le support accepte des téléphones de 4 à 7 pouces. Le support est orientable à 360 degrés, ce qui permet un bon angle de vision. Son système de maintien cranté et en silicone assure un bon maintien du téléphone. Un placement très facile et en appuyant sur le bouton à l'arrière, on récupère son téléphone très rapidement. Le support est très qualitatif, très épais, pèse son petit poids 103 grammes. Il donne une très bonne impression dans la main. Le plastique et le silicone sont de très bonne qualité, mais le silicone ramasse très vite la poussière. Le système de fixation par la grille de ventilation ne conviendra pas à toutes les voitures. Il faut vraiment des grilles classiques, ce qui devient rare dans les voitures récentes. Le modèle D12, on retrouve dans la boîte le support exactement le même que le modèle D11, le support de fixation courbé avec son système de ventouse autocollante, la fixation à coller sur le tableau de bord, le manuel en plusieurs langues, dont le français, un petit kit de nettoyage pour enlever la poussière du tableau de bord. La fixation courbée qui monte et descend permet une position optimale, contrairement à la fixation directement sur la grille de ventilation. Le système se colle et on peut l'enlever en forçant sans laisser de traces sur le tableau de bord. La fixation courbée peut se placer sur le pare-brise, mais si le téléphone est trop grand, le téléphone peut cogner sur le pare-brise. La fixation sur le tableau de bord reste préférable, mais il peut masquer l'affichage de votre écran central. Tout dépend également de votre voiture. Mon téléphone fait pratiquement 7 pouces avec un poids de 350 grammes. Il tient très bien malgré son poids et son épaisseur. Choisir entre le modèle D11 ou D12. Déjà, ils ont pratiquement le même prix, une quinzaine d'euros. Le même support cranté en silicone avec l'espace pour le câble de recharge. Le choix entre les deux modèles se fera surtout pour le système de fixation. Le système via la grille de ventilation est plus classique mais ne conviendra pas à toutes les voitures. Je n'ai pas pu le fixer où je le souhaitais, par exemple sur la première grille à côté du volant, c'était impossible car le volant gênait trop. J'ai dû le mettre sur une autre grille plus éloignée. La grille verticale de mon véhicule n'est pas adéquate non plus, même si j'ai pu quand même le fixer. Pour ma part, ce modèle ne me convient pas. Le modèle D12 avec son système de fixation sur le tableau de bord posera moins de problèmes, mais il peut quand même gêner l'écran central. Le poser directement sur son pare-brise m'a aussi posé un petit problème car le téléphone trop grand cognait sur le pare-brise à cause de la fixation courbée et de mon pare-brise qui est trop en profondeur. La grosseur du support masque aussi la vue. Niveau sécurité, ce n'est pas le top. Mais la fixation de la ventouse collante est ultra résistante, ça ne se décrochera pas aussi facilement. Si vous avez encore des questions sur les supports de chez Acefast modèle D11, D12, allez voir aussi ma vidéo sur le modèle D7. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux, merci d'avance pour vous être abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. But no, what am I doing wrong now? But no.